Salut à tous. Alors nous revoici aujourd'hui donc pour la petite vidéo spéciale 100 abonnés. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'ai dit que je la ferais, mais bon, pour des raisons personnelles avec les cours, le stage, les préparatifs, etc., j'ai pas eu des masses de temps. Donc la voilà enfin. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'en ai bien chié pour vous trouver un petit coin sympa. Et là, ben voilà un peu le paysage. Donc on entend les oiseaux, il y a une bagnole qui passe et on a même trois, j'ai même trois fans. Il n'y en a plus que deux, le troisième, je sais pas où il s'est barré. J'ai dû lui faire peur. Ah non, il est juste derrière. Donc voilà, donc petite vidéo pour vous présenter ma belle. Donc une MT-07 en version A2, donc 35 kW, 47 chevaux 5. MT-07 que j'ai pris, et ben, comme je suis un débutant, en ABS. Hein, comme vous pouvez le voir. Donc hein, je pense à mes petites fesses et j'ai pas envie de me niquer à cause de ça, à cause d'un blocage de roue intempestif. Et je dois dire que franchement il est vraiment performant. À l'avant, je l'ai jamais déclenché encore. Enfin une fois, mais c'était vraiment pour faire exprès, vraiment ressentir la sensation que ça faisait, pour dire de ne pas être surpris le jour où ça arrive. En revanche, à l'arrière, là, c'est vraiment bien moins bon. Ça se déclenche, je vais dire, n'importe quand, quoi. J'utilise beaucoup le frein arrière. Et il se déclenche vraiment régulièrement. C'est pas hyper agréable. Mais bon, voilà tout. Il est là. Et au moins, ça prouve qu'il fonctionne. Donc cette petite MT-07, avec quoi je l'ai équipée? Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, un seau de vent. Donc seau de vent Air Max Sport. Donc court. Elle fait 27 cm. Donc la question que tout le monde me pose, forcément, vu que c'est un seau de vent, c'est est-ce qu'il protège? Bon, on va pas se leurrer, c'est un roadster, hein, ni une routière, encore moins un trail. Quoique le trail, vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, que ça faisait son affaire, et puis bon, vous avez pu le voir aussi juste avant qu'elle y arrivait. Mais donc, ça protège pas des masses, quoi. Ce qui était chiant avant, c'est que le flux d'air, à cause du compteur, les rétros, la face avant, tout ça, il était vraiment. Il arrivait n'importe comment, et ce qui fait qu'on était ballotté dans tous les sens, il y avait beaucoup de turbulences. Donc là, déjà, ça uniformise bien le vent sur le corps et ça le remonte au niveau du haut du torse et le visage. Faut vraiment être couché sur la moto pour dire de ne plus avoir de vent. Donc bon, sur l'autoroute, couché, ça passe. Mais l'autoroute, si je peux l'éviter, je le fais. Donc ensuite, de quoi elle est équipée? Vous pouvez le voir, donc la sacoche de réservoir Yamaha que je viens juste d'acquérir. Donc à la base, c'était pour la rencontre annuelle motovlog.fr. Mais pour des raisons personnelles, j'ai pas pu m'y rendre. Donc ça coche 15 à 22 litres. Bon, je ne ferai pas un essai dessus complètement, mais voilà, hyper pratique. Il y a pas mal de poches. Il y a une sacoche ici pour le téléphone ou une carte. Elle est extensible. Donc là, de 15, il suffit d'ouvrir cette fermeture-là et elle monte jusqu'à 22 litres. Et donc l'armature pour la mettre. Donc à cause de ce compteur qui est très beau, hyper complet. La position est plutôt originale, ça pose plutôt pas mal d'emmerdes. Hein. Zéro place sur le guidon pour mettre un GPS ou un support téléphone ou autre. Et en plus de ça, ben, le système, on est obligé d'acheter ce bras à part pour pouvoir le placer. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas le mettre directement autour du réservoir, sinon ben, ça taperait contre le compteur et vous y verrez plus rien. Voilà. Bon, je vais la mettre à côté. Alors, Quadro, ton équipement. Les top blocs. Et ouais, je suis un débutant, les risques de chute, elles sont accrues. Et d'ailleurs, bah, ils ont déjà bien, bien servi. Tout simplement parce que j'ai chuté une fois et j'ai eu un accident. Donc je peux vous dire avec certitude que ça protège vraiment bien. Mais alors vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, bon, ça a beau avoir été réparé, mais bon, il n'y a jamais eu ni les carters, ni les plastiques qui ont été touchés. Il y a uniquement eu ici la tétine. Et le sélecteur qui est remonté ici là, légèrement, ainsi donc que l'embout de rétro et le guidon. Donc à part ça, rien n'est touché, donc franchement j'en suis super content. Donc en plus ça, pourquoi j'ai pris le top block? Tout simplement parce que celui Yamaha là, qui vient directement sur le carter, il est vraiment cheap. La matière, je doute vraiment de sa résistance. Et celui-là aussi, ce qui me plaisait bien, j'ai pu lire sur d'autres forums que ceux qu'on vient mettre ici là, à roulette,
qu'ils ont un seul point d'ancrage, le gros problème qu'il pouvait y avoir, c'est qu'en cas de chute, ça fasse plier le cadre. Et donc de foutre la moto à un RSV, et ça serait plutôt dommage. Donc avec celui-ci, au moins il y a deux points d'ancrage, c'est vachement bien. Ça élimine ce risque-là, ou du moins ça diminue. Et en plus de ça, je trouve que ça se marie bien avec la ligne de la moto. Ça fait pas tache. Donc voilà. Autre chose, grille de radiateur. Tout simplement, c'est une des choses que je voulais rapidement parce que j'ai un ami qui s'est pris un bon gros caillou dans le radiateur. Radiateur foutu. Bon, c'est pas la joie. Donc cette grille radiateur, elle est faite maison. Pas par moi, mais par Xtop. Donc merci à toi, Christophe. Du forum mt07.fr. Voilà. Quoi d'autre? Bon, des liserés de jantes, hein, mais bon, ça c'est pas vital. Le garde-boue arrière, mon garde-boue qui garde pas la boue plus que ça, hein, c'est beaucoup de style, je trouve, plutôt que vraiment de confort. Bon, au moins j'ai pas, c'est vrai que là ici le passage de roue n'est pas non plus trop dégueulasse. Ça limite, mais c'est franchement pas le mieux. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même un bel écart entre la roue et le garde-boue. Et bon, ça limite, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Oui, le support de U-Toblock. Donc, vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai dit que dans ma vidéo que c'était chiant quand ça se dévissait. Bah là, pour une fois. C'est dévissé, j'ai dit je vais le remettre après tout simplement parce que j'avais pas de place pour hier de le remettre tout de suite. Ben en fait j'ai pas pu le remettre tout simplement parce que la vis s'est tellement dévissée qu'elle s'est barrée la salope. Ah je dis salope, c'est pas bien. Donc voilà, ouais, donc là ben, maintenant faut que j'aille racheter une vis, j'ai pas eu le temps. Donc pour le moment il n'y a plus de U. Mais bon en soi, mis à part ça, c'est juste super pratique pour éviter de. Parce que ben, tout simplement il n'y a pas de place sous la selle et pour éviter de le foutre dans le dos, j'ai déjà assez de problèmes de dos comme ça. Donc voilà pour l'équipement, je pense n'avoir rien oublié. Donc je ferai pas de test complet de la moto, hein. Je pense que vous en avez déjà dû en trouver pas mal sur internet, hein, avec le succès qu'elle a eu. Il y a eu des tonnes et des tonnes d'essais. Ben, ils sont toujours là mes fans, hein. Juste que je peux vous dire, moi, mon ressenti sur la bécane, franchement, elle est vraiment géniale. Ça a beau être une 35 kW, donc 47,5 chevaux. Je m'en lasse vraiment pas. J'ai vraiment, je l'ai jamais vraiment exploité à fond. Donc ça c'est vachement bien. Le moteur est super coupleux à tous les régimes. Hein, en 6e à 110 sur l'autoroute, j'ouvre, ça tire, ça repart. Et franchement, c'est que du bonheur. Apparemment son seul défaut, donc d'après tout le monde, c'est ça, c'est son amortisseur arrière, donc placé en longitudinal. Tout le monde le dit, donc je vais les croire. Moi personnellement, il m'a jamais gêné. Donc peut-être aussi parce que bah, je suis un débutant, c'est ma première moto, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison. Peut-être qu'en essayant une autre moto avec un meilleur amorto, j'irai ah ouais, effectivement, celui de l'AMT, c'est de la merde. Mais moi, pour ma part, je l'ai jamais vraiment senti. Au contraire, il est hyper confort. Mais bon, vu qu'ils le disent, je vais les croire. Voilà. Et là, maintenant vous allez râler parce que oui, j'ai oublié un équipement. Et ouais, quand même, le plus important, hein, pour certains, c'est cette ligne Akrapovic, qui lui procure cette si belle sonorité. Donc, ligne qui se marie vraiment magnifiquement bien à la moto. Donc, c'est la ligne complète pour une simple et bonne raison, c'est que ben. Le Yamaha a fait sa ligne d'origine, une ligne en une seule partie. Donc tout simplement impossible de ne changer uniquement le silencieux. Donc c'est une ligne complète. Ça vaut quand même une burne, hein, 1000 euros la ligne. Ça fait bien mal. Moi j'ai eu un peu de chance dans mon malheur, hein, je vous l'ai dit juste avant, j'ai eu un accident. Et ben, le pot d'échappement était touché. Et vu que j'étais pas en tort. L'expert a dit ben on change la ligne et ben, j'ai rien eu à payer. Tout simplement parce que la ligne d'origine c'est 750 euros. Ouais, 750 euros pour une ligne qui fait pas un bruit, c'est quand même la mort. Et il a dit ben, plutôt que de te foutre une ligne d'origine, autant que tu l'investisses dans une ligne de ton choix. Donc j'ai pris la crabe parce que bon,
C'est un tout petit concessionnaire, il travaille quasiment uniquement avec Akrapovic et Exil principalement. Moi, à la base, je voulais la SC Project, mais vu qu'il ne travaillait pas avec eux, bon, moi, je pouvais pas l'avoir malheureusement. Donc j'ai décidé de partir sur la Croix, qui était quand même vachement plus beau et à la sonorité vraiment pas mal. Bon, on va écouter ça tout de suite, on va faire un petit ride avec ça. File. Se mettre sur la moto. Et voilà. Donc le son est franchement, bah, ça change forcément de l'origine. Après, je le trouve pas si fort que ça. Donc pour info, elle est décatalysée. Mais chicanée encore parce que bah, tout simplement, apparemment, sans la chicane. C'est juste horrible. Donc pour l'instant, j'ai laissé cette chicane. À mon retour, je l'enlèverai donc juste pour le fun et faire un petit essai comme ça. Mais je la modifierai sûrement un petit peu pour dire que ça pète un peu plus, c'est-à-dire que ça soit un petit peu plus rauque. Donc voilà, ouais, donc maintenant, on va embarquer. Hein, on va se faire un petit essai pour que vous puissiez écouter encore mieux ce son donc, en roulage.